Bienvenue à cette nouvelle leçon de grammaire. Nous allons voir, au cours de cette vidéo, tout ce que tu dois savoir sur la ponctuation. Au terme de cette leçon, tu sauras reconnaître les différents signes de ponctuation et quand les utiliser. Pour commencer, voyons en général ce qu'est la ponctuation. La ponctuation est un ensemble de signes graphiques servant à marquer les pauses et les inflexions dans la voix lors de la lecture. Elle détermine les rapports entre les parties de la phrase et les idées. Elle précise le sens de la phrase. Voyons maintenant quels sont les différents signes de ponctuation. Les principaux signes de ponctuation sont le point d'interrogation, le point d'exclamation, la virgule, le point-virgule, les deux points, les points de suspension, les parenthèses, les guillemets, le tiret, et les crochets. Nous allons maintenant voir chaque signe en particulier. Le point. Le point marque une grande pause dans la lecture et signale la fin d'une phrase. Par exemple, les journées sont longues en été. Sais-tu qu'un simple point peut changer le sens d'une phrase? Voyons ces deux phrases. Dans la phrase « Cet homme est mal poli »,« Comme toi, je le trouve grossier », le point marque une pause et annonce une autre phrase, bien que liée à la précédente. Par contre, si j'écris « Cet homme est mal poli comme toi, je le trouve grossier », le placement du point après « comme toi » implique que le locuteur trouve son interlocuteur impoli. Voyons maintenant le point d'interrogation. Le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase qui pose une question. Par exemple, aimes-tu le français? Dans les phrases se terminant par le point d'interrogation, le ton de la voix monte. Par exemple, tu vas à l'école? Le point d'exclamation sert à exprimer la surprise, par exemple, vous ici, ou alors l'admiration, par exemple, quel beau livre, ou encore la colère, je n'en peux plus de vos bavardages, ou aussi un ordre, sors d'ici, ou encore une interdiction, ne parlez pas tous en même temps. Dans les phrases se terminant par le point d'exclamation, l'intonation de la voix monte également. Par exemple, vous êtes magnifique. Voici une petite histoire qui vous montrera comment un simple point d'exclamation peut changer bien des choses. Un homme très riche part en voyage. Pendant son absence,
sa femme trouve un magnifique bijou dans une joaillerie. Comme elle veut l'acheter, elle envoie un texto à son mari pour lui demander son accord. Le mari n'est pas d'accord et il pense lui écrire « Jamais, trop cher !» Mais comme il est pressé, il en oublie le premier point d'exclamation de sorte que son message devient « Jamais trop cher !» La femme, pensant qu'un cadeau n'est jamais trop cher pour elle, s'empresse de l'acheter au plus grand mécontentement de son mari. Je vous laisse imaginer la suite. Passons maintenant à la virgule. La virgule sert à séparer des mots ou groupes de mots et à marquer une petite pause dans une phrase. Par exemple, adieu veau, vache, cochon, couvée. Voyons maintenant comment la virgule est importante. Dans l'énoncé « Allons manger les enfants », l'absence de la virgule signifie que les enfants seront mangés. Par contre, si on place une virgule après « manger », là, on invite les enfants à venir manger. Allons manger, les enfants. Tu vois comment la ponctuation est importante au point de sauver des vies. Le point-virgule marque une pause moyenne dans la lecture. Il sépare deux propositions liées par le sens. Par exemple, il n'est pas venu à l'école, il est gravement malade. Les deux points. Les deux points annoncent une explication. Par exemple, elle sera absente, elle part en voyage. Ou alors, annonce une liste. Par exemple, il te faudra du lait, du beurre et des œufs. Les points de suspension. Les points de suspension indiquent que la phrase est inachevée et marquent une interruption causée par l'émotion, la surprise ou l'hésitation. Par exemple, je vous laisse deviner la suite. Les parenthèses. Les parenthèses permettent d'ajouter des informations, un commentaire ou une précision. Par exemple, les élèves, garçons et filles, doivent porter l'uniforme. Les guillemets. Les guillemets signalent que quelqu'un prend la parole. Par exemple, le recteur déclara « Faites de votre mieux ». Observe ces deux phrases et tu verras comment les guillemets changent le sens d'une phrase. Le professeur dit « L'élève est en retard ». Mais si on omet les guillemets, la phrase devient « Le professeur dit l'élève est en retard ». Ainsi, dans la première phrase, c'est l'élève qui est en retard, tandis que dans la deuxième phrase, c'est le professeur qui est en retard. Passons maintenant au tiret. Le tiret indique le changement d'interlocuteur dans le dialogue. Voici un exemple. Qui a fait cela? Ce n'est pas moi, monsieur. Et pour terminer, les crochets. Les crochets encadrent les éléments extérieurs au texte. Par exemple, ce livre, le premier d'une série, nous a été prêté.
Voilà, tu sais maintenant quels sont les différents signes de ponctuation et quand les employer. Passons maintenant à une activité. Dans les phrases suivantes, mets les signes de ponctuation qu'il faut. Première phrase. Quelle belle écriture! Réponse. Quelle belle écriture! La phrase se termine par un point d'exclamation pour exprimer l'admiration et le ton de la voix monte. Deuxième phrase. Comment faut-il s'y prendre? Réponse. Comment faut-il s'y prendre? La phrase, qui pose une question, se termine donc par un point d'interrogation et le ton de la voix monte également. Troisième phrase. Voici la liste des courses, lait, sucre, farine. Réponse. Voici la liste des courses. Deux points, lait, virgule, sucre, virgule, farine, point. Dans cette phrase, les deux points signalent la liste qui suit. Phrase suivante. Le recteur annonça les résultats seront proclamés lundi. Réponse. Le recteur annonça, deux points, ouvrez les guillemets, les résultats seront proclamés lundi, point, fermez les guillemets. Dans cette phrase, les deux points et les guillemets sont les marqueurs graphiques du discours direct. Phrase suivante. Sa voiture est tombée en panne, il a appelé le mécanicien. Réponse. Sa voiture est tombée en panne. Point virgule, il a appelé le mécanicien, point. Ici, le point virgule sépare les deux propositions. Phrase suivante. Continue la suite de l'histoire. Réponse. Continue la suite de l'histoire, point de suspension. Ici, les points de suspension marque quelque chose qui attend d'être achevé. Phrase suivante. Le personnel enseignant et non enseignant s'est mis en grève. Réponse. Le personnel enseignant et non enseignant entre parenthèses s'est mis en grève. Point. Les parenthèses apportent une précision à la phrase sur la composition du personnel. Phrase suivante. Que comptez-vous faire maintenant? Je n'en sais rien. Réponse. Tiret. Que comptez-vous faire maintenant? Point d'interrogation. Tiret. Je n'en sais rien, J majuscule et point final. Ici, les tirets indiquent qu'on passe d'un locuteur à un autre. Passons à la dernière phrase. Ces matières, histoire et géographie, ne sont plus au programme. Réponse. Ces matières, entre crochets, histoire et géographie ne sont plus au programme. Point final. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette leçon sur la ponctuation. Si tu veux découvrir un sketch vraiment amusant sur la ponctuation, je t'invite à aller voir cette vidéo de l'humoriste Michel Leb à l'adresse qui apparaîtra à l'écran. Merci de ton attention.
À bientôt.